Aujourd'hui, nous allons visiter une maison de campagne que nous aimerions potentiellement louer pour nos prochaines vacances. On y va ? Ben bonjour, nous sommes ici justement pour visiter un petit peu et nous sommes intéressés pour pouvoir louer pour deux familles. Oui, bonjour. Bonjour, est-ce que vous pourriez nous montrer un petit peu ce que vous proposez ? Alors, la maison est une grande bâtisse camarguaise, elle accueille 8 personnes, on a 4 chambres disponibles et le concept c'est de louer la globalité de la propriété. Que vous soyez 6 ou 8, ben pour moi ça reviendra au même puisque je vous loue, je vous donne les clés de ma maison et vous y restez la semaine entière, c'est votre maison. D'accord, et donc du coup il y a combien de chambres, combien de salles d'eau ? On a 2 suites parentales de 45 mètres carrés avec leur propre salle de bain et 2 suites juniors en fait, il y a une salle de bain pour les deux chambres qui donne sur la piscine côté nord qui sont un tout petit peu plus petites, elles font entre 25 et 30 mètres carrés. Ah, excellent, une piscine et tout. Oui, la piscine fait 15 mètres de long et c'est un bassin de nage, on va dire, puisqu'elle fait qu'un mètre 40 de hauteur. Donc, on a pied partout quand on a 12-13 ans. Parfait. Et donc, du coup, on peut faire ses longueurs en rentrant de la plage. Est-ce qu'on aura accès à une cuisine ? Alors, là, vous avez la maison complète. Hein, donc, on a le salon avec un billard, avec une table à manger pour 8. Dans la cuisine, on va se retrouver avec une table pour 4, 6, parce que c'est un petit peu plus cosy, avec la cuisine de la maison. Puis derrière, on a une cuisine d'été dehors avec un four et un barbecue avec une table de nouveau pour 8 personnes qui donne sur la piscine, 3 salles de bain et donc les 4 chambres. Super, ben nous on aimerait du coup réserver pour nous et nos amis, donc la deuxième famille, pour mars. Est-ce que vous avez des disponibilités au mois de mars ? Alors oui, il va nous rester 2 possibilités, soit pendant les vacances, soit hors vacances. Donc après, ce qui va différer, c'est plus ce que vous voulez faire, parce qu'on a la possibilité de vous proposer tout un éventail de prestations avec des gens avec qui on travaille, notamment des safaris 4x4, la possibilité de monter à cheval dans les taureaux si vous le souhaitez, ou alors tout simplement d'accéder à une journée en bateau, manger dans des restaurants qui sont nos amis, on peut vous aiguiller sur des belles tables. Vous avez aussi la possibilité, en mangeant à la maison, on peut vous donner des tomates du jardin, les œufs bio de mon beau-père. On a tout un éventail de prestations. J'ai même une masseuse qui vient à domicile, qui peut proposer des massages après soleil quand vous rentrez de la plage. Et petit à petit, toute cette carte va s'étoffer. Donc, j'aurai une esthéticienne, une coiffeuse. Il y aura tout un groupe de gens. J'ai un classeur après qui va s'étoffer avec la possibilité de vous organiser directement à domicile pour ensuite partir faire vos visites. Ah, excellent. Et donc, en fait, on est quand même très joli par ici. On voit qu'il y a les chevaux de Camargue, il y a les taureaux, il y a toutes sortes d'animaux. J'ai même vu des chèvres. Voilà, c'est ça. Des boucs, donc, c'est très bien. Et vous êtes en même temps pas très, très loin de la plage. Ni de la ville au final. Là, on est à 20 minutes de Nîmes, 20 minutes de Montpellier, on est à 10 minutes de la mer et on a la chance cette année d'accueillir un événement, c'est la série Ici tout commence sur TF1 qui se déroule à Saint-Laurent-des-Gouzes et les acteurs habitent le mas voisin. Donc, vous avez les 40 acteurs qui sont vos voisins pendant la semaine de vos vacances. Donc, cinéma gratuit. Voilà, donc on peut les apercevoir à la sortie et à l'entrée du MAS, puisqu'ils vont travailler hein, aussi, c'est leur job. Mais voilà, on a cette série qui est là, donc ça relance un petit peu aussi le côté touristique de Saint-Laurent-des-Gouzes, c'est très bien. On a des chevaux dans les terres derrière, on a les taureaux derrière, vous les entendez même la nuit. Parce que très souvent, les taureaux se manifestent un peu plus la nuit que la journée. Mmh. On a un centre équestre en face. C'est des amis, donc les enfants peuvent prendre des cours de poney si vous le souhaitez, etc. Ça s'organise aussi, c'est une partenaire. Voilà, on peut vous proposer pas mal d'activités autour de la Camargue. Ah ben c'est super, et ben du coup j'aimerais bien prendre, justement déjà réserver maintenant. Ouais. Comment je fais pour réserver ? Est-ce que je suis là, mais par exemple si j'en parle avec la deuxième famille qui aussi va réserver. Alors moi j'ai une page Facebook qui s'appelle Massan Sarah, qui est reliée directement sur mon numéro de portable. Donc moi c'est Alexandra, voilà. Et donc du coup en MP, je gère ma page perso et ma page pro et je peux vous proposer en direct les dispos, les tarifs. C'est des tarifs qu'on étudie ensemble.
de par votre projet, le nombre de temps que vous restez, le nombre de personnes que vous êtes, etc. Je ne suis pas figée. Et puis après, selon les semaines, selon les mois, selon les saisons, tout ça peut évoluer. D'accord, donc on peut vous contacter par la page Facebook ou vous appeler directement. Ou m'appeler directement, tout à fait. Super. Ouais. Super Alexandra, nous avons vraiment hâte de venir au mois de mars. Merci de cette visite et je pense qu'on va passer un très bon moment. Oui, je l'espère. Faire découvrir tout cet endroit merveilleux. Merci à vous. Merci, à bientôt alors. Au revoir.